À tous et à toutes, euh, donc ce nouvel Forex Presso avec des marchés qui sont complètement en attente, complètement dans l'hésitation, l'indécision. Suite aux informations extrêmement contradictoires qui viennent de, euh, du front euh, ukrainien, avec des Russes qui n'arrêtent pas de dire qu'ils se retirent, qu'ils retournent à leur base, et euh, des Américains et des Anglais, des Anglo-Saxons, qui euh, disent que euh, les troupes russes sont en train de se mettre euh, plus ou moins en ordre d'attaque, et où, en tout cas, la concentration de soldats russes à la frontière est toujours aussi importante. Donc, pas quand même parce que apparemment la semaine prochaine euh, Lasroff le Russe et Blinden le Américain vont se rencontrer pour discuter, ce qui veut dire qu'il y a quand même toujours une solution diplomatique possible et ça retarde a priori euh, d'autant une invasion euh, russe. Apparemment aussi, il y a des provocations à la frontière euh, qui pourraient euh, tout enflammer donc beaucoup de prudence avant d'avoir le ferment de cette histoire géopolitique en attendant le marché a décidé de ne pas prendre position et d'attendre. Donc on va voir ça en graphique mais avant ça euh, l'avertissement sur les risques. Avec euh, à l'écran donc le dollar euh, avec une légère augmentation on va dire des valeurs des devises refuge on va voir ça mais le dollar euh, qui reste tout de même dans une euh, euh, tendance haussière malgré les, les soubresauts et le fait qu'il ne progresse plus mais pour moi tant qu'on reste au dessus de cette oblique vous voyez qui est, qui est, qui est euh, tout à fait euh, validé par les prix euh, on euh, reste dans une tendance haussière donc Certes, on, on, on respire un petit peu actuellement, mais euh, si je devais choisir un sens, ça serait plutôt à la hausse sur euh, le billet vert. Si on regarde... L'euro dollar, on voit qu'effectivement, il est quasiment, carrément au milieu d'un range entre 1,14,96 à la hausse. S'il était cassé, on aurait juste au-dessus la moyenne mobile de 100 périodes à 1,15,50. Mais on reste quand même dans une consolidation horizontale d'une tendance moyen terme, baissière, tant qu'on n'est pas. Euh, passer à minima au-dessus de des 1,15. Donc plutôt un biais baissier malgré tout dans cette consolidation, mais euh, effectivement un ton neutre à court terme puisque euh, on est au-dessus de ce support euh, à 1,1280 euh, qui euh, a été euh, validé ici euh, lundi dernier et euh, c'était un support qui avait servi aussi de soutien euh, lors euh, du mois de décembre. Euh, l'année dernière. Donc tant qu'on reste entre un 15 et un bah, j'ai envie de vous dire c'est un petit peu euh, la loterie. On ne sait pas trop. Euh, on voit bien, hein, on est en plein milieu avec des moyennes mobiles à court terme. Euh, Horizontale qui montre donc cette euh, absence de tendance à très court terme. Mais si on passait à 1,12,80, euh, on aurait une reprise de la tendance de moyen terme baissière avec un objectif les plus bas euh, de 2022 et euh, de plusieurs mois vers 1, 11, 22 En attendant, difficile euh, d'y voir une tendance sur le câble. On est toujours pareil, cet incroyable euh, obstacle que représente la moyenne mobile à 200 périodes, euh, qui encore aujourd'hui, alors on est juste dessus, mais on n'arrive pas, vous voyez bien qu'on n'arrive absolument pas à la franchir pour l'instant, on n'a pas ce signal. Qui euh, euh, déclencherait euh, la fin de euh, cette euh, tendance baissière avec des moyennes mobiles qui sont un petit, de court terme un petit peu à la hausse, mais cette moyenne mobile de moyen terme baissière qui euh, bloque complètement euh, les prix. Le dollar australien, lui, est un petit peu plus fort. Euh, mais vous voyez, c'est quand même, on a, on, on, enfin, il va être confronté à cette à cette grosse zone de résistance. Alors hier, je vous avais donné un plan sur du une heure de très court terme, il n'a pas été validé euh, parce que c'est vraiment euh, l'indécision. On peut aller voir d'ailleurs, mais euh, c'est vraiment l'indécision qui, qui, qui domine. Hein, euh, donc j'avais fixé ici si on dépassait. Alors c'était pour hier, hein, donc ça c'est cette nuit, donc je, 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 ou ce matin, euh, mais euh, hier effectivement euh, sur cette remontée on aurait pu penser que on allait euh, dépasser euh, la euh, résistance et aller toucher les 0, 72, 76 bon euh, alors peut-être que certains l'ont pris ce matin ce, ce, ce deal même si euh, il n'est pas très convaincant parce que euh, alors on va faire un petit peu de, de, de technique mais euh, c'est toujours l'action sur les prix qui, qui euh, prédomine. Donc, je vous avais dit hier, si on dépasse les 172,17, euh, enfin, cette, cette zone-là avec ces mèches hautes euh, en clôture, on euh, aura euh, un signal pour peut-être prendre position à court terme et aller sur 0,72,76. Euh, donc, avec euh, un, un stop. Je, je refais pas le dessin, mais euh, ce qui se plaçait ici. Euh, donc, bon, hier on ne l'a pas validé, ce matin on le valide effectivement, mais vous voyez que cette bougie qui est clôture au-dessus de la résistance. Elle a une mèche haute plus importante que le corps. Donc, bien entendu, euh, ce n'est pas du tout suffisant, même si on clôture au-dessus, ce n'est pas suffisant pour prendre position. Ça veut dire que les vendeurs, quelque part, pour euh, synthétiser, caricaturer, euh, sont plus forts que les acheteurs sur ces niveaux. Euh, parce quand vous avez une mèche haute au-dessus, il, il faudrait qu'on ait euh, soit un marubozu, ça, ça serait l'idéal, c'est-à-dire une clôture au plus bas, une, une ouverture au plus bas une clôture au plus haut d'ampleur supérieure aux bougies précédentes ou euh, une longue mèche basse euh, qui euh, montrerait la force des acheteurs. Mais là vous avez l'inverse, donc effectivement on clôture au-dessus, mais ce n'est pas suffisant pour aller prendre position. Euh, donc là on revient sur la moyenne moyenne à 34 périodes. Là on a un petit doji, un petit marteau, euh, un petit euh, marteau qui, qui, qui pourrait euh, montrer euh, un retour des acheteurs, mais vous voyez que c'est très timide. On, on, on bloque, en tout cas, il y a quand même une tendance haussière de très court terme sur l'aussi, euh, mais par contre on n'a pas le, pour l'instant le déclencheur pour aller se positionner à la hausse et euh, aller chercher les 0,72-76. Mais euh, c'est un, un deal quand même qui reste risqué puisque à court terme certes on est aussi, mais à long terme sur le moyen terme on est baissier et donc cette zone de 0,72 on va avoir du mal à la dépasser. À mon avis, il faudra de, de, de très bonnes nouvelles économiques ou sur le front géopolitique pour qu'on aille le dépasser. Le dollarienne, lui, euh, bah, c'est pareil, il a euh, cassé cette oblique baissière qui était de, de moyen terme, avec toujours cette, résidence, cette résistance pardon, à 116.36, un biais légèrement euh, haussier, mais plutôt une consolidation aussi horizontale. Euh, c'est un petit peu le cas sur toutes les devises, on va aller voir le Kiwi, parce que lui il présente une configuration intéressante. Euh, on est allé à nouveau tester cette droite de polarité, donc droite de polarité qu'on avait ici, support, Ici résistance et euh, à nouveau aujourd'hui testé et pour l'instant rejeté donc euh, il n'est pas question de se mettre à l'achat ici sous une résistance aussi aussi importante euh, il faudra une clôture au-dessus euh, et effectivement on pourrait envisager une vente pour un échec mais pour l'instant on est sur une bougie verte et euh, vous savez euh, comment maintenant je procède et euh, je trade. On, on, on ne rentre pas euh, à l'achat sur une bougie rouge ou on ne rentre pas à la vente sur une bougie verte. Vous pouvez vous l'imprimer ça d'ailleurs. Euh, on peut aller voir euh, le, le yen, euh, l'euro yen. Donc c'est vraiment... Voyez cette hésitation. Alors, hier, c'était un florilège d'informations contradictoires, mais vous le voyez même sur un jour. Alors, je ne prends même pas une heure, mais sur un jour, vous voyez que, allez, un jour, on est optimiste parce qu'on euh, pense à une résolution diplomatique. Le lendemain, plutôt guerrier. Et aujourd'hui, euh, les nouvelles qui vont se rencontrer, euh, les Américains et les Russes, donc, euh, légère hausse. Donc, euh, mais on voit bien que les opérateurs, ils commencent à en avoir aussi un petit peu marre et qu'ils euh, prennent de moins en moins euh, de positions. Parce que maintenant ils veulent euh, des nouvelles concrètes. Euh, je voulais vous montrer l'euro suisse aussi parce que le franc suisse est bien sûr. Je voulais expliquer cette semaine la devise des euh, tensions géopolitiques euh, et donc un billet quand même qui est un petit peu haussier pour le franc suisse, un petit peu baissier pour l'euro suisse, avec cette forte zone de résistance ici, je vous en ai parlé, j'y reviens pas parce qu'on s'en est fortement éloigné, mais euh, on, on voit bien que le marché quand même, il n'est pas euh, euh, super optimiste, euh, parce que sinon on aurait un franc suisse qui baisse et le franc suisse, il continue donc à, à monter très légèrement, certes, on est sur ce support ici, cette droite polarité qui est en train de se former euh, à 10437 104 mais on voit qu'on est quand même scotché à cette droite et donc euh, il y a des euh, acheteurs de france suisses euh, qui cherchent euh, donc euh, du refuge et de la sécurité. Euh, évidemment, si on cassait 10437, euh, ça voudrait certainement dire que euh, on va sur 10359 voire 103 dans euh, assez rapidement euh, donc euh, un niveau à surveiller aussi sur l'euro suisse voilà alors on m'a demandé d'analyser la paire AUD CAD donc c'est ce qu'on va faire elle est ici alors par contre ce qui me dérange un petit peu c'est que la personne qui m'a demandé ça euh, est acheteur euh, alors, par contre, je ne sais pas où elle a acheté. Donc, bon, euh, pour l'instant, elle doit avoir raison. Euh, simplement, si on prend de la hauteur, on a quand même un billet baissier sur la UD Canada. Pourquoi Parce qu'on est sous cette moyenne mobile à 200 périodes, qu'on va bientôt euh, d'ailleurs euh, rejoindre. En plus, euh, ça va correspondre. Là, on va avoir une zone ici, si vous voulez, sur la UD Canada, à. 66 euh, qui euh, qui va enfin, alors c'est une zone parce que il faut prendre vous voyez il faut prendre cet espace avec la moyenne mobile à 200 périodes voilà donc cette zone là euh, va constituer une résistance qui va être très importante mais juste au dessus vous avez une autre résistance tout aussi importante qui est une oblique baissière qu'on a validé à trois reprises, donc euh, assez forte, euh, qui se situe actuellement sur 0,92,64 et qui est baissière. Donc cette zone ici, à partir euh, du plus haut ici à 0,91,66 jusqu'à 0,92,64, euh, pourrait bloquer euh, quand même les cours. En tout cas, euh, voilà. Moi, je n'aurais pas été acheteur euh, sur cette paire de devises euh, tant qu'on ne passe pas ces deux obstacles. Maintenant, je peux comprendre, parce qu'effectivement, les moyennes mobiles à court terme se sont retournées à la hausse. Et euh, donc, il euh, y avait effectivement une tentation d'achat. Mais pour l'instant, vous voyez, euh, même si on enlève euh, la, les moyennes mobiles et l'oblique, euh, au baissière, il y a autre chose qui est, qui est un petit peu dérangeant, c'est que euh, vous avez. Un sommet ici, un sommet ici qui est plus bas que le précédent, celui-là plus bas que le précédent, comme l'indique l'oblique euh, baissière. Mais euh, on a des creux aussi ici, le, un creux ici euh, plus bas que le précédent et le dernier creux est plus bas que le précédent. Euh, difficile de voir un creux ici, même s'il y, y, y a un support. Euh, donc, moi, je serais plus à la euh, baissier sur cette paire de devises tant qu'on n'a pas franchi ces obstacles ou qu'on n'a pas euh, franchi ce sommet, même euh, ici sur 0,93. Euh, en tout cas, il, la perte de, de devises va être confrontée à une zone assez importante. Donc, apparemment, euh, la personne qui m'a dit ça m'a acheté. Donc, euh, pour l'instant, elle doit être gagnante, je pense. Euh, mais. Je lui, ce que je peux lui conseiller, c'est soit de mettre, en tout cas de ne pas insister, si elle voit que euh, ça, ne, ça, ça ne franchit pas rapidement, enfin rapidement, ça ne franchit pas euh, rapidement ou pas, mais ça ne franchit pas ces obstacles. Euh, parce que le risque est quand même de, de, de voir un, une reprise de euh, la tendance qui prévalait, c'est-à-dire baissière. Euh, donc, elle peut mettre. Moi je mettrais soit mon stop euh, sous 0.9055, ça, euh, ça dépend à quel niveau elle a acheté. Euh, soit euh, même je mettrais un stop très proche euh, sur le 1h, euh, parce que euh, ces obstacles, euh, en tout cas euh, on voit bien qu'aujourd'hui, pour l'instant ça freine, alors là, bien sûr la, la, la journée n'est pas clôturée, on, on peut aller plus haut, pour l'instant euh, on, on continue à avoir quand même, euh, les acheteurs présents puisqu'on a l'air de monter euh, mais voilà euh, personnellement pour moi c'est une tendance baissière comme je vous l'ai expliqué à cause de tous ces obstacles et donc si vous, si vous êtes acheteur je, le seul chose que je ferai c'est soit mettre un stop sous 0.9050 euh, si vous voulez jouer euh, la cassure ici anticiper une cassure soit même le mettre euh, sur une horizon notant une heure beaucoup plus proche euh, pour euh, ne pas s'exposer à une reprise de la tendance baissière. Voilà. Euh, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, donc en résumé, vous voyez bien que l'indécision sur euh, l'Ukraine, euh, comme depuis plusieurs jours, se traduit parfaitement par les prix. Euh, ça risque de perdurer. Euh, C'était plus trop le cas euh, non plus sur les indices, mais depuis hier, c'est le cas aussi sur les indices, quels que soient les marchés. Les opérateurs euh, ne veulent plus être balloté par nouvelles positives et nouvelles négatives. Et ils ont bien compris que c'est un grand, euh, un géant euh, bataille de poker euh, et euh, d'échecs même au plan international. Et donc, euh, voilà, si vous voulez jouer, vous pouvez. Mais dans ces cas-là, si vous voulez faire du training, il faut le faire sur des horizons de temps courts, en attendant la résolution de cette crise mais la plupart des opérateurs visiblement ont décidé de ne pas euh, jouer à aux jeux euh, et d'échecs internationaux c'est aujourd'hui aussi cet après-midi le jeu le jour des trois sorcières donc ça peut amener de la volatilité et des mouvements très contradictoires voilà donc on suivra euh, ce qui se passe en Ukraine ce week-end du coup, la politique monétaire est un petit peu de côté pour l'instant. Ça reviendra parce que c'est ça qui, à moyen terme, va euh, driver, conduire l'évolution sur l'échange. Soyez-en sûrs. Mais pour l'instant, c'est l'Ukraine qui impose son rythme au marché. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. Revenez en forme lundi. N'oubliez pas vos stop-loss. Bon week-end à vous.